Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Jazz Viking. Ça fait quand même un petit bout de temps, ça fait à peu près un mois qu'on ne s'est pas vu. J'ai travaillé quand même très fort sur les deux prochaines diffusions, donc ce dimanche et la semaine prochaine. Le titre que j'ai donné à ça, c'est L'aventure du free jazz au Japon, et ça va être, comme je l'ai dit, en deux parties. Ce soir, d'abord, ben, au moment où les Jeux Olympiques de Tokyo, par exemple, se terminent. C'est un hasard. Je me suis dit que ce serait intéressant, en tout cas, de parler de ce thème du free jazz au Japon. On a entendu en ouverture une pièce avec Sadao Watanabe et Charlie Mariano. Une pièce qui s'appelle Stone Garden of Ryuanji, c'est un extrait, tiré d'un disque là, qu'on a vu qui s'appelle Iberian Waltz de 1967. On connaît la fascination des Japonais pour le jazz. Ce dont je vais vous parler d'abord, c'est un peu comment est-ce que tout ça est arrivé là-bas, comment cette musique-là est arrivée au Japon. On sait, par exemple, dans les années 70, 80, 90, les Japonais sont, entre autres, les maîtres de la réédition de toutes sortes de disques. Ils ont refait le catalogue Blue Note au complet, tout ça. Donc, c'est des gens qui sont très, très disons, efficaces pour avoir réédité donc, toute cette musique. Il y a une grande, grande fascination pour le jazz là-bas. Mais ça a pris quand même plusieurs générations d'amateurs et de musiciens passionnés pour faire pénétrer un peu cette musique dans une société qui, au départ, était quand même assez fortement insulaire et conservatrice. Dans les années 10 et 20, par exemple, on sait qu'il y a eu des tensions grandissantes entre le Japon et les États-Unis. Il y avait quand même des lignes de paquebots qui s'étaient installées entre les deux pays. Les musiciens qui servaient, par exemple, sur les bateaux pouvaient débarquer. Les Japonais pouvaient débarquer en Californie. Et on sait que dans les années 20, par exemple, en Californie, il y a une scène de jazz assez foisonnante. Il y avait des musiciens déjà de la Nouvelle-Orléans. J'en ai parlé dans un autre stream avant. Et ça a été un des contacts comme ça de ces musiciens pour les premières formes de jazz. Pour d'autres au pays, ça va être des musiciens philippins. On sait que les Philippines, à cette époque-là, étaient une colonie américaine. C'est eux qui vont, au Japon, être parmi les premiers à faire entendre des formes d'interprétation hot et à improviser, finalement, dans le style de jazz sur des pièces américaines. Il y a des chanteurs populaires des années 30, par exemple Dick Minay, qui va adapter des chansons comme Dinah, accompagné par des orchestres qui copient un peu le style américain. Pour un autre chanteur, il y a Tadaharu Nakano avec ses Columbia Nakano Rhythm Boys. Eux sont plutôt inspirés de groupes vocaux comme les Mills Brothers, par exemple, et ils vont effectuer des synthèses assez fascinantes des influences américaines avec des formes plus spécifiquement japonaises, donc déjà dans les années 30. Parmi les pionniers instrumentistes, on peut mentionner le trompettiste Fumio Nanri. Louis Armstrong lui-même l'avait surnommé plus tard le Satchmo du Japon. Nanri, lui, avait été en contact dès les années 30 avec des musiciens afro-américains, notamment à Shanghai, puis aux États-Unis même. Dans les années fin 30, 40, il est revenu au Japon et il a fondé son groupe, les Hot Peppers, et ils accompagnaient parfois Dick Minay, justement, le chanteur. Un phénomène qui va naître aussi à cette époque-là, vers, je pense, 1929, j'ai lu, c'est un phénomène typiquement japonais, c'est les jazukisa, ou les cafés jazz. C'est des endroits, en fait, où les gens vont pour entendre des disques, tout simplement. C'est souvent des endroits qui avaient de grandes collections de disques, qui recevaient les disques qui venaient d'arriver des États-Unis, par exemple, ou d'ailleurs, et les clients pouvaient demander, comme ça, de pouvoir écouter tel musicien. Et c'est un phénomène qui va devenir particulièrement important dans l'après-guerre. À son sommet, là, dans les années 50-60, on estime qu'il y a eu à peu près 600 cafés de jazz un peu partout au Japon, et évidemment, surtout concentrés à Tokyo et à Kyoto.
L'atmosphère, par contre, de plus en plus totalitaire du régime militaire, là, qui va suivre l'invasion de la Mandchourie en 1931, et évidemment, surtout après Pearl Harbor, ça va rendre le jazz un peu. En fait, ça va être catégorisé comme musique ennemie, et les musiciens qui vont continuer à en faire, un peu comme en Allemagne, vont, disons, mettre un penchant très très patriotique pour pouvoir continuer à utiliser des formes, disons, un peu américaines. Mais tout ça va devenir. En fait, le jazz va devenir surtout important, disons, pour le grand public japonais, surtout après la guerre. Évidemment, pendant l'occupation américaine, pardon, entre 45 et 52, ça va évidemment mettre la plupart des Japonais en contact assez direct avec le jazz, avec la musique populaire américaine. C'est un peu le même phénomène que le jazz en Europe après la guerre, hein. On a bon, des GI qui sont là, qui veulent entendre, qui écoutent la radio, qui vont écouter les fameux V-discs, qui vont vouloir avoir des groupes qui peuvent jouer pour danser pour l'atmosphère, tout ça, des types de musique américaine. Et évidemment, le jazz, c'est la musique populaire de l'heure, là, dans les années 40-50. Donc, on veut entendre cette musique-là. Et les musiciens locaux vont au contact, entre autres, de certains musiciens qui vont être. Stationné là-bas pendant leur service militaire, notamment le pianiste Hampton Hawes, qu'on voit ici justement lors de son séjour au Japon. Aussi le batteur Ed Thigpen, par exemple. Donc ceux-là vont vraiment jouer sur la scène japonaise à ce moment-là, donc dans les années 40 et 50. Les jazzmen et jazzwomen, parce qu'une des principales figures là, à partir du début des années 50, ça va être la pianiste Toshiko Akiyoshi. Donc, les jazzmen japonais de cette époque vont assez largement copier les styles américains, souvent encouragés un peu par les critiques plus établies. J'ai lu, par exemple, dans le magazine qui s'appelait Swing Journal, qui était un peu le downbeat japonais, la revue très très prestigieuse de jazz. Les critiques à une certaine période faisaient beaucoup de comparaisons. Alors un tel est un peu comme le Buddy Rich japonais, etc. Et les musiciens suivant cette tendance-là aimaient beaucoup prendre des modèles vraiment américains, un peu copier les Américains. Autant ces groupes-là vont rapidement assimiler autant le swing que le jazz plus moderne comme le bebop. Parmi les musiciens japonais de l'après-guerre, on peut mentionner par exemple le saxophoniste Nobuo Hara avec ses Sharps and Flats, le clarinettiste Eiji Kitamura, la pianiste Toshiko Akiyoshi, là, que j'ai mentionné tout à l'heure, et le saxophoniste Hideiko Sleepy Matsumoto, par exemple, entre autres. Les musiciens japonais vont assez rapidement intégrer les styles de jazz de l'après-guerre, mais au-delà des influences américaines qui sont assez dominantes, à part quelques rares exceptions, on pense bon, à Toshiko Akiyoshi qui justement va passer beaucoup de temps aux États-Unis à cette époque-là, ou encore Sadao Watanabe qui, à partir d'un jeu très inspiré de Charlie Parker, va développer quelque chose d'un peu plus personnel. Mais il va quand même y avoir chez d'autres une volonté aussi de créer une forme d'expression jazzistique plus spécifiquement japonaise. Parmi les exemples dans les années 60, on a par exemple le batteur Hideo Shiraki qui va faire appel à un joueur de koto sur un disque qui s'appelle In Fiesta au début des années 60. D'autres musiciens, bon, Toshiko Akiyoshi va utiliser aussi de ce genre de mélodie, mais aussi Nobuo Hara utilise des mélodies folkloriques japonaises de la musique. Donc, dans leurs arrangements et leurs compositions. Mais il va falloir attendre vraiment la fin des années 60 pour qu'un style vraiment original au Japon voie le jour. Et ça va vraiment apparaître à travers l'influence déterminante du free jazz que cette mutation-là va être possible. Pour nous, en Occident, évidemment, l'histoire du jazz japonais, à plus forte raison de son free jazz, est assez peu accessible. C'est sûr que bon, il y a la barrière de la langue et puis la spécificité de la culture japonaise qui, on sait, est très, très spéciale, qui nous tiennent assez éloignés de l'actualité ou même de l'histoire vivante de cette scène. Il faut être un peu un initié, disons, pour avoir accès à beaucoup de choses quand on parle de jazz japonais. C'est pas mon cas, je parle pas japonais, je suis donc toujours
un outsider pour la culture japonaise, mais je me suis intéressé à ça, je vous expliquerai tantôt. En fait, on sait, bon, il y a quelques noms qu'on connaît, si on s'intéresse un peu à l'histoire du jazz, de gens qui sont apparus, surtout en Occident, des gens comme le pianiste Yosuke Yamashita ou encore le trompettiste Toshinori Kondo, qui ont eu des carrières quand même à l'extérieur du Japon assez importantes. Mais en général, disons que l'histoire de cette musique qui est au Japon est souvent assez surprenante par son intensité et son caractère assez fortement original. Cette histoire-là nous a quand même assez largement échappé. Ça va être rectifié par un livre du critique et producteur Teruto Soejima. Soejima a écrit en 2002 un livre qui s'appelle en japonais Nihon Furi Jazushi, c'est-à-dire l'histoire du free jazz au Japon. Et il a été enfin traduit en anglais il y a quelques années, donc en 2018, sous le titre Free Jazz in Japan, A Personal History. Donc c'est principalement de ce livre-là dont je vais me servir ce soir et la semaine prochaine pour vous faire un peu un panorama du free jazz japonais. Aujourd'hui, je vais d'abord me pencher un peu sur les origines du free jazz, comment c'est arrivé au Japon. Et ensuite, je vais vous faire le portrait de cinq des principales figures du free jazz japonais. Et la semaine prochaine, je vais continuer avec des portraits peut-être un peu plus courts. Et je vais essayer de brosser aussi un tableau assez général, donc une espèce de panorama de cette musique-là au Japon. Je vous propose, je veux juste faire une petite parenthèse avant de commencer. Dans le livre de Soejima, les noms japonais sont écrits à la japonaise, c'est-à-dire le nom de famille d'abord et le prénom ensuite. Moi, dans le stream aujourd'hui, je vais nommer les noms à l'occidental pour que ce soit moins confus. Là, je m'adresse évidemment à un public francophone. Et souvent, ces musiciens-là, quand on prend les disques, par exemple, tout ça, les noms sont occidentalisés de toute façon. Donc, c'est, disons, pour éviter la confusion, je vais donc utiliser la manière occidentale pour que ce soit plus simple. Avant de me lancer dans la matière même du livre, je voudrais juste mentionner un mouvement qui précède un petit peu les événements dont Soejima parle directement dans son ouvrage, c'est-à-dire un peu les premières expériences d'improvisation de musique un peu aléatoire au Japon. Là, je ne parle pas d'improvisation évidemment dans les musiques traditionnelles, tout ça, mais vraiment plus d'un point de vue, disons, institutionnel ou dans les scènes. En fait, c'est vraiment toutes ces expériences qui ont été menées sous les auspices de mouvements d'avant-garde qui couraient un peu dans la musique contemporaine des années 50 et 60. Un personnage qui a été important pour ça, c'est le compositeur et violoniste Takehisa Kosugi. Ici, bon, c'est une performance là, du début des années 60. Je pense qu'au piano, au bout, c'est Toru Takemitsu, qui est un compositeur qu'on connaît bien. Kosugi, c'est celui qui est accroupi, là, je pense, au milieu de la scène. Et derrière lui, à droite, donc, c'est Shuko Mizuno. Alors, les deux, Kosugi et Mizuno, en 1958, fondent un groupe. Ils étaient étudiants à cette époque-là en musicologie. Ils vont d'un groupe qui s'appelle le groupe Ongaku. C'est un groupe qui est un peu comme les Italiens, un peu plus tard, quelques années plus tard, du Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza. C'est un groupe qui va être un peu issu disons, les institutions, les conservatoires de musique. C'est un ensemble qui va explorer par l'improvisation et les bruits d'objets de tous les jours, un peu les limites de l'objet musical. Kosugi était membre du collectif Fluxus. On connaît ce mouvement artistique là, qui a été assez important à cette époque-là. Il avait été initié par le compositeur Toshi Ishianagi. Ishianagi, avec sa compagne de l'époque, qui était nul autre que Yoko Ono elle-même, Ishianagi avait accueilli John Cage et David Tudor au Japon, par exemple, pour leur première présence dans ce pays-là en 62.
Donc, on sait l'importance là, que va avoir les méthodes aléatoires et l'improvisation, d'une certaine forme d'improvisation, en tout cas pour Cage et toute cette école, là, disons, de gens qui vont théoriser là, tout ça de la musique dans les années 50-60. On va trouver Kosugi un peu plus tard au sein des Taj Mahal Travelers, mais je vous propose d'écouter pour l'instant un extrait d'une pièce qui nous est restée du groupe Ongaku, une pièce qui date de 1961. Vous allez voir tout de suite les parallèles qu'on peut faire avec le free jazz plus tard là, des années fin 60, début 70. Thank you.
Voilà, c'était une pièce du groupe Ongaku, datée de 1961. Alors, on y entendait les deux saxophonistes, c'était Takehisa Kosugi lui-même et Yasunao Tone. Tone va être plus tard un pionnier de la musique faite par ordinateur, par exemple, une musique électronique. La batterie, c'était Shuko Mizuno et au piano, Mieko Shiomi. Donc, c'est tous des gens qui étaient proches du groupe Fluxus à cette époque. Mais c'est pas clair à quel point les musiciens japonais, disons de la scène plus jazz, vont avoir été directement exposés à cette scène-là, qui est très, comme je disais, c'est des gens qui essentiellement étudiaient dans les conservatoires, une scène assez universitaire. À Tokyo, les premiers balbutiements du free jazz remonteraient à 1962 environ, donc c'est l'année où va se séparer exactement le groupe Ongaku. C'est en 62 aussi que commencent à arriver au Japon les premiers disques de Ornette Coleman, entre autres. Pour les critiques établies, j'ai parlé tantôt du Swing Journal, par exemple, la musique de Coleman va être jugée très durement. Les quelques musiciens, quand même, qui vont découvrir des qualités à ces expérimentations, ces nouvelles formes de jazz. À cette époque-là, il y a une boîte à chansons dans le quartier assez cossu qui s'appelle Ginza, une boîte à chansons qui s'appelle Ginpari, Ginpari, on ne prononce pas le S. Dans cette boîte à chansons-là, certains soirs vont s'organiser des sessions de jazz assez ouvertes. Il y a un groupe qui s'y produit souvent au début qui s'appelle Jazz Academy Quartet, qui réunit autour du pianiste Masabumi Kikuchi et du contrebassiste Hideto Kanai, deux musiciens qu'on va retrouver tout au long de ce panorama du free jazz, donc japonais, autant cette semaine que la semaine prochaine. Le guitariste Masayuki Takayanagi et le batteur Masahiko Togashi. Avec Hideto Kanai et l'artiste visuel et contrebassiste Isamu Kageyama, Takayanagi va être à l'origine d'un collectif. Un collectif qui réunit une trentaine de musiciens aux visées assez avant-gardistes. Un collectif qui va nommer New Century Music Research Lab. C'est un nom qui fait référence directement à un collectif semblable formé justement dans le monde de la musique contemporaine autour de compositeurs comme Takemitsu, Yoshida, Mayuzumi, etc. Un groupe qui s'appelait le 20th Century Music Research Lab. Parmi les jeunes musiciens qui sont dans ce collectif autour de Takayanagi, on va retrouver par exemple les frères Terumasa et Motohiko Ino, pardon, le pianiste Yosuke Yamashita, dont on va lui aussi entendre parler beaucoup aujourd'hui, le batteur Yoshisaburo, ou Sabu Toyozumi, et d'autres jeunes musiciens encore. Un peu comme les premiers boppers, ces jeunes Turcs, un peu du jazz japonais, cherchent un peu à s'émanciper de l'influence de leurs aînés, qui sont encore, eux, très pris dans leurs références au jazz américain. Par exemple, si un de ces musiciens un peu établis essaie de venir un peu jammer avec eux au Ginpari, les habitués vont systématiquement le bouder, quitter la scène, le laisser jouer tout seul. Et donc, pour eux, imiter les Américains, ça suffira plus. Kageyama va déclarer, par exemple, pour nous développer plus largement, il est nécessaire d'échapper aux structures du jazz moderne. Dans le seul document qui nous est paru, qui nous est parvenu de cette époque, qui est un disque qui est paru sur l'étiquette Three Blind Mice, les collectionneurs de jazz japonais connaissent bien cette étiquette qui est assez recherchée. Un disque qui s'appelle Ginpari Session. Ce disque-là met en scène quatre groupes qui jouent principalement des standards, donc comme je disais, les structures dont ces musiciens-là voudraient s'émanciper sont encore quand même relativement bien en place. Il y a quatre groupes là-dessus, donc le groupe du pianiste Masabumi Kikuchi, le groupe du trompettiste Terumasa Ino, mais surtout Takayanagi lui-même, accompagné sur une version de Green Sleeves par Togashi et deux contrebassistes, et Yosuke Yamashita avec une composition originale de Kanai qui s'appelle
Obstruction. Je vous ai fait un petit montage donc de deux extraits de solo qui viennent de ce disque. Donc celui de Yamashita d'abord sur Obstruction et ensuite celui de Takayanagi sur Greensleeves.
Voilà, c'était donc deux extraits tirés de ce disque qui s'appelle Gin Paris Sessions. Le solo d'abord de Yosuke Yamashita au piano et celui de Masayuki Takayanagi à la guitare. Bon, on le voit que c'est des formes qui sont encore relativement fixes, mais on entend quand même une volonté là, d'étirer un peu, de dépasser un peu ces cadres-là, qui va éventuellement mener au premier free jazz japonais. Donc, je voulais juste faire entendre un peu pour qu'on entende le style des deux. De ces deux musiciens. En plus, c'est Togashi qui jouait de la batterie sur les deux pièces. Donc, un autre musicien important. Soejima va décrire aussi certaines expérimentations qui vont avoir lieu là, à cette époque-là, avec les membres du New Century Research Lab. Il y en a qui vont être clairement inspirés un peu des happenings là, qui sont très en phase à cette époque-là. Des artistes, par exemple, qui vont briser des verres, déchirer des journaux, renverser des tables, ce genre de trucs-là. Mais aussi des recherches plus formelles qui vont avoir lieu, comme par exemple des exercices de structure aléatoire. Alors, on distribue des cartes, par exemple, etc., pour faire les formes des pièces. C'est peut-être là que ce laboratoire va rejoindre un petit peu les avancées parallèles mises de l'avant par les musiciens du groupe Ongaku et du mouvement Fluxus. Mais les activités du laboratoire vont être un peu ralenties par l'absence de Takayanagi pendant à peu près un an. Takayanagi avait des problèmes d'héroïne à cette époque-là et il y a beaucoup de démêlés avec la justice. On sait qu'au Japon, ça plaisante pas tout à fait avec la drogue. Il a passé une partie de cette période-là en prison. Le contrebassiste, là, Hideto Kanai, lui, va continuer quand même d'organiser des activités en l'absence de Takayanagi. Toujours dans le quartier Ginza, à d'autres endroits, d'abord au Gas Hall, puis à la Jazz Gallery 8. Jazz Gallery 8, ça va être quand même assez important à cette époque-là, ouvert au printemps 64. Sur le coin de la rue de la Jazz Gallery, il y avait un café jazz, un jazzoukissa, qui était très marqué par l'avant-garde, là où se tenaient un peu les musiciens et les critiques de ce quartier-là, un café qui s'appelait Oreo. La dernière manifestation officielle du New Jazz, du New Century Music Research Lab va avoir lieu à cet endroit-là, à la Jazz Gallery, en novembre 64. Un peu plus tard, donc l'année suivante, en mai 65, c'est là que va aussi se produire le quartet de Masahiko Togashi, qu'on a entendu tantôt. Le batteur avec Yosuke Yamashita, avec le saxophoniste Kazunori Takeda, et avec le contrebassiste Kuniro Takimoto. Soejima, donc l'auteur du livre, se souvient en particulier d'une performance là, de cette époque-là, de mai 65, qui est probablement la première véritable pièce de free jazz jouée par un groupe japonais. Mais déjà, il y a des différences qui vont s'installer entre la conception de Togashi et celle de Yamashita. Et le groupe va être dissous après quelques mois. Progressivement, de toute façon, la scène du jazz créatif de Tokyo va se déplacer à cette époque-là de Ginza, qui est quand même un quartier assez chic, à Shinjuku. Shinjuku, c'était un quartier qui était déjà à l'époque un peu l'épicentre de la culture alternative de Tokyo. Va se retrouver toutes sortes de personnages un peu de la contre-culture, des compagnies de théâtre d'avant-garde, par exemple, des poètes qui orbitent autour de la revue Vous, ou différents artistes de performance qui font des happenings, par exemple. Il y a deux clubs du quartier qui vont un peu marquer cette époque-là. D'abord le Modern Jazz Corner, un club qui va bientôt être renommé Taro, et aussi le Shinjuku Pit Inn. Pit Inn, qui est toujours une institution un peu du jazz à Tokyo. C'est surtout là, au Pit Inn, que vont avoir lieu les principales activités du free jazz japonais à la fin des années 60. Mais c'est aussi un centre névralgique de performance pour toutes sortes d'artistes qui fréquentent le quartier. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, des poètes, des artistes de performance, tout ça.
Un musicien qui revient à cette époque-là des États-Unis avec certains retentissements, ça va être Sadao Watanabe, le saxophoniste. C'est assez marquant son retour en 65. Assez rapidement, il va recruter Togashi puis Yamashita dans son groupe après la dissolution de leur quartet. Mais encore une fois, les deux sont un peu à couteau tiré et Yamashita va quitter le groupe pour former le sien propre en août 66. On va y revenir bientôt à Yamashita. Ce serait aussi à cette époque-là que Togashi aurait fondé un groupe avec le pianiste Masahiko Sato, avec le trompettiste Hitaru Oki, un groupe baptisé ESSG, donc Experimental Sound Space Group. Donc le groupe aurait été actif dès 65 ou 66, mais Soejima, lui, situe la fondation du groupe un peu plus tard, donc vers 69. C'est pas trop clair ce qui s'est passé, mais c'est très possible que Togashi ait utilisé le nom bien avant. Et de toute façon, il va continuer avec son nouveau faux groupe les recherches déjà initiées par son quartet de 1965. C'est très probablement un jazz qui est encore relativement modal, qui va aller vers des formes un peu plus abstraites tranquillement. Il existerait apparemment des enregistrements de cette époque-là, de Togashi, mais ça n'a jamais été publié commercialement, alors moi je ne les ai jamais entendus. Il y a un autre événement à cette époque-là qui a dû être assez sismique. Bon, il faut faire attention quand on utilise le mot sismique au Japon avec toute l'activité volcanique, etc. Mais disons, assez important pour cette époque-là, c'est Soejima n'en parle pas trop dans son livre, surprenamment, mais ça a certainement marqué beaucoup les musiciens de cette époque-là. C'est la tournée du quintet de John Coltrane au Japon en juillet 66. On sait que depuis la fin de 1965, Coltrane était un peu embarqué dans ce qui va être la dernière phase de sa quête musicale. Il avait ajouté à son groupe d'abord Pharoah Sanders comme deuxième saxophoniste, puis ensuite Rashid Ali à la batterie, ce qui va un peu provoquer le départ de Elvin Jones, et éventuellement celui de McCoy Tyner aussi, qui va être remplacé au début 66 par Alice Coltrane. Donc, c'est ce groupe-là un peu qui va marquer vraiment l'achèvement de la transition de Coltrane vers le free jazz à ce moment-là. Il n'y a pas beaucoup d'items dans sa discographie qui sont aussi radicaux que les concerts au Japon de juillet 66. Par exemple, sur le quadruple CD, il y a une version de My Favorite Things qui dure presque 1 heure. Et puis, au bout d'à peu près 5 minutes, on n'a plus aucune idée de quelle pièce il peut bien jouer. Coltrane était passionné depuis assez longtemps par la musique et la spiritualité asiatique. Il va rencontrer là-bas des foules assez enthousiastes et des musiciens qui sont peut-être un peu dépassés par les nouveaux développements de sa musique. Parce qu'on sait que bon, Coltrane aurait fait des sessions là-bas, particulièrement après ses concerts à Tokyo, par exemple, avec certains musiciens locaux. Mais comme c'était des musiciens plutôt établis, ben, il y avait Watanabe, mais aussi genre des gens comme Sleepy Matsumoto ou George Kawaguchi. Je sais pas trop qu'est-ce que ces gens-là ont pu penser, disons, de sa musique plus récente. Mais une chose est sûre, c'est que des gens comme Yamashita, Togashi, tout ça, ont été très conscients de ce passage-là, et ça a dû très certainement marquer les jeunes musiciens qui s'approchaient tranquillement du free jazz déjà par eux-mêmes. Coltrane va être approché par exemple par la compagnie Yamaha pour qu'il endosse leur saxophone. Il va aussi se procurer des instruments traditionnels japonais. Je sais qu'il a acheté à cette époque-là un shakuhachi dont il n'a jamais joué en public, mais dont apparemment il avait initié un peu la pratique dans sa pratique quotidienne. Il avait insisté lui-même pour visiter Nagasaki. Cette photo-là, on le voit par exemple qui prie à un des monuments, là, un des sites des mémorials à la mémoire des morts de Nagasaki.
de la bombe atomique, donc évidemment. Une des pièces emblématiques de cette tournée-là, ça va être Peace on Earth, une de ses compositions qui est dédiée aux victimes de Nagasaki et des guerres en général. C'est évidemment une performance qui va avoir certains retentissements dans le Japon de cette époque-là. On sait, par exemple, à la fin des années 60, il va y avoir un assez fort mouvement contre le traité de sécurité américano-japonais, le ANPO, et qui va culminer avec des manifestations là, dans les années 68, 69, 70. Alors évidemment, on peut imaginer que cette pièce-là a eu un assez fort retentissement à l'époque. Je vous propose d'écouter un extrait d'une autre pièce, une composition qui avait enregistré la première fois 2 ans avant, qui s'appelle Crescent. Et je trouve que son solo là-dessus montre bien, disons, toute son évolution à partir de quelque chose qui est très modal vers finalement quelque chose qui est vraiment du free jazz. Et voilà, donc c'est une pièce, c'est Crescent, version enregistrée à Tokyo en juillet 66.
Voilà, c'était un extrait de la performance de Coltrane à Tokyo en juillet 66 sur Crescent. C'est juste un extrait, évidemment. Je pense que la pièce complète dure 54 minutes, quelque chose comme ça. Donc, si on veut avoir le temps un peu de jaser, voilà. Bref, glisser un mot un peu sur la forme du livre de Soejima maintenant. Bon, ça, c'est la pochette originale. C'est une lecture qui est assez remarquable à plusieurs égards. Évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est un sujet qui est peu accessible. Donc, c'est formidable que ça existe maintenant en anglais. C'est une construction qui est généralement assez chronologique, avec, bon, évidemment, quelques petits retours en arrière et sauts par en avant. Mais c'est aussi, bon, comme le sous-titre le laisse entendre, une histoire très personnelle. Ça peut parfois se transformer en parade de toutes sortes de noms de musiciens, parce qu'évidemment, bon, quand on dit tel club, par exemple, je me souviens qui a joué là, etc., un, deux, trois, trois. Donc, des noms de musiciens, des titres de disques, des souvenirs qui vont représenter pour l'auteur en différentes périodes de l'évolution du free jazz au Japon. C'est une lecture assez stimulante, mais ça se résume pas très bien. Donc, ce que j'ai décidé de faire là, à partir de maintenant, dans le stream, c'est un peu de diviser ça par des portraits des musiciens les plus importants. Donc, ça va être plus simple là, structuré comme ça. Cette semaine, je vais vous présenter cinq musiciens importants. Et la semaine prochaine, on va continuer, donc comme j'ai dit tout à l'heure, avec d'autres musiciens, des portraits peut-être un peu plus brefs, et qui vont compléter un peu ce tour d'horizon du free jazz japonais, un peu jusqu'au début de la décennie des années 2000. Donc on part là, de 66, 65, 66, et on va se rendre jusqu'au début de l'année 2000. Le premier musicien dont je vais vous proposer de suivre l'évolution, ça va donc être le pianiste Yosuke Yamashita. Bon, j'ai dit tantôt que après avoir quitté le groupe de Sadao Watanabe, Yamashita avait fondé d'abord un trio pendant une dizaine de mois. Ensuite, ce trio-là va se muter en quartet. Un quartet avec le saxophoniste Seichi Nakamura, le contrebassiste Motoharu Yoshizawa et le batteur Sabu Toyozumi. À cette époque-là, il était assez proche d'un critique qui s'appelle Isato Aikura. Yamashita va être amené à accepter toutes sortes d'invitations. Il va participer par exemple à des productions de pièces de théâtre. Il va accompagner des poètes. On sait que c'est lui par exemple qui a accompagné, qui était présent en tout cas lors du passage du poète beat américain Kenneth Rexroth au Pétain en mai 67. Il va aussi faire certaines bandes sonores de films. Aikura disait de lui. Bien que nous abordions toutes sortes de sujets, la seule chose qu'il comprenait vraiment, c'était la musique. Alors, j'ai pensé qu'il serait bon pour lui d'être exposé à une stimulation issue d'autres formes, et je l'ai un peu poussé dans cette direction. Mais à cette époque-là, Yamashita va souffrir de pleurésie à la fin de 67. Il va être absent de la scène là, pendant sa convalescence, pendant une assez longue période. Il va revenir au début de 1969. 69, c'est une année assez importante, vous allez le voir avec certaines des autres figures que je vais vous présenter ce soir. Donc Yamashita, pour sa part, il va remonter un groupe à ce moment-là, un trio, alors toujours avec le saxophoniste Nakamura et le batteur Takeo Moriyama. Et ça va être surtout avec cette formule-là, le trio saxophone, piano, batterie, évidemment hérité un peu de Cecil Taylor, là, qui était un des modèles de Yamashita à cette époque. Donc ça va être un peu ce format qui va un peu le rendre célèbre et, disons, dominer son travail pendant la prochaine décennie. L'énergie très physique du groupe, son intensité, vont être particulièrement en phase avec cette époque, une époque qui est marquée par les affrontements avec les étudiants contestataires. On sait qu'il y a des grosses, grosses grèves étudiantes au Japon en 69, 70, 71.
Et ces affrontements-là entre les étudiants et la police anti-émeute vont parfois avoir lieu au cœur même du quartier Shinjuku, donc là où se produisent beaucoup les musiciens de free jazz de cette époque-là. C'est pas un hasard, par exemple, si le trio de Yamashita va se retrouver à jouer derrière les barricades montées par les étudiants de l'université Waseda en juillet 69. Le concert va même devenir rapidement un disque qui s'appelle Dancing Kojiki. En septembre de la même année, il y a une nouvelle association dédiée un peu à la promotion du free jazz, une association animée par Goro Sakai, qui était le propriétaire du Pétin, dont va faire partie aussi Teruto Soejima. Ils vont organiser un événement qui s'appelle Concert in New Jazz. Et ce concert-là, auquel vont participer deux groupes, alors le ESSG, le groupe de Masahiko Sato et Masahiko Togashi, et le trio de Yamashita. Donc ce concert-là va devenir vraiment la première manifestation, le premier véritable concert de free jazz produit au Japon. Le set de Yamashita va devenir un disque lui aussi, qui s'appelle tout simplement du nom de l'événement, donc Concert in New Jazz. Alors là, on voit qu'on commence vraiment à documenter ces musiciens-là, ces musiciens-là qui ont une volonté là, de créer un free jazz typiquement japonais. Et comme je vous ai dit, donc 69, ça va être vraiment l'année où tout ça va vraiment exploser là, sur l'avant-scène un peu. Pour la sortie de ce disque-là, donc Concert in New Jazz, Yamashita va écrire un texte qui peut être considéré un peu comme un manifeste pour ses méthodes. Je vais vous en lire quelques extraits pour vous donner une idée. Cela devrait aller sans dire, mais le jazz n'est ni un art ni une œuvre d'art. Le jazz est plutôt comme la boxe ou le soccer, avec le son. Alors, à moins que vous pensiez qu'un combat de boxe est un art ou une œuvre d'art, vous devriez arrêter de penser au jazz de cette façon. Le jazz n'est un art que de la manière où il y a des moments dans un match de foot où une certaine beauté est exprimée. Ce que le joueur devrait rechercher alors n'est pas une œuvre d'art, d'aucune manière, mais de réaliser le meilleur coup de pied possible à ce moment précis, et c'est tout. Nous trois, nous sommes encore des apprentis, luttant pour découvrir dans le jazz quels droits nous pouvons nous approprier comme interprètes. Si nous perdons ce but de vue, alors le jazz ne fera que disparaître dans une ennuyante musique artistique contemporaine. Nous n'avons aucune illusion vis-à-vis cette forme de musique. Et nous n'avons aucun intérêt dans les happenings à la mode ou envers le chant psychédélique. Nous ne sommes intéressés que par notre propre jazz. C'est intéressant qu'il utilise justement notre propre jazz parce que, comme je le disais tantôt, on recherche vraiment quelque chose de spécifiquement japonais, quelque chose qui va représenter, disons, l'esprit de la scène du jazz là-bas. Et ces jeunes musiciens-là estiment que c'est vraiment dans le free jazz qu'on va le trouver. Et Yamashita est très clair là-dessus. Son style va être qualifié par le critique Juro Kara, va être qualifié de jazz furieux. Rempli de physicalité. C'est pas un hasard si Yamashita, par exemple, dédie à Mohamed Ali une pièce qui s'appelle Clé, un peu plus tard. Donc, ce style-là va assez rapidement s'imposer, puis définir un peu l'approche spécifiquement japonaise à cette musique, particulièrement à l'extérieur. Je vais y revenir tantôt, mais Yamashita a joué quand même beaucoup, par exemple, en Europe. Il va continuer d'explorer des collaborations diverses. Il va même réinviter occasionnellement son ancien employeur, hein, Sadao Watanabe, par exemple au festival de Aomori. On sait que Watanabe, on l'a entendu au début jouer du shakuhachi. Watanabe était un saxophoniste qui était très inspiré au départ de Charlie Parker. C'était pas nécessairement un musicien de free jazz, mais il a accepté le challenge, disant bon ben je vais y aller. Et puis finalement, ça a été une performance assez électrique apparemment. En 73, Yamashita va accepter de participer à une performance organisée par le designer et réalisateur Kiyoshi Awazu. Il va accepter de jouer d'un piano en pleine combustion. Donc c'est une espèce ça démentit un peu ce qu'il disait, c'est une espèce de happening d'une certaine façon, et qui va devenir un court-métrage
de Awazu. Et il va, 35 ans plus tard, en 2008, il va reprendre cette performance à l'invitation du Musée d'art contemporain de Kanazawa. Ce que je vous propose de faire d'abord avec Yamashita pour un peu résumer toute la période qu'on vient de voir, là, de la fin des années 60 à cette performance-là de 73, j'ai fait un montage qui est tiré de quatre films différents. Je trouve que ça résume quand même assez bien toutes les activités assez foisonnantes de Yamashita à cette époque-là et un peu le climat assez explosif qui régnait dans les milieux culturels et contestataire à cette époque-là. Alors, d'abord, une pièce qui est tirée du film Koya no Dachi Waifu, un film dont la traduction littérale serait une épouse hollandaise dans le désert, mais qui est aussi connue sous le titre une poupée gonflable dans le désert. Donc, un film réalisé par Atsushi Yamatoya en 1967. Ensuite, on va voir des images qui sont assez saisissantes, des images véritablement de la performance du trio de Yamashita derrière les barricades, donc à Waseda en 69. Va suivre une performance dans un film de Koji Wakamatsu qui s'appelle Tenchi no Kokotsu ou L'extase des anges en 72. Ces trois performances-là sont avec le même trio, là, donc Nakamura au saxophone et Moriyama à la batterie. Et oui, pardon, oui, Nakamura Moriyama, pardon. Et pour terminer, un petit bout de film où on voit un extrait de sa fameuse performance avec le piano qui brûle pour Awazu et un peu de sa reprise en 2008. Donc, c'est quand même un bon segment, là. Ça dure plus de 15 minutes, mais je trouve que c'est intéressant de voir en image tout ça et on y a accès, alors pourquoi pas. Donc, voici Yosuke Yamashita. の名物にダッチワイフってのがありましてね、ショウさんが生きていたらきっと夢中になるところだったんでしょうかね。毎度どうも。あ、今日は二号室の子が風邪ひいてるらしいんで、一つ見てやってください。そうです。街の観光資源と言ってもいいぐらいだ。仕事が終わったらあんたも抱いてみるといい。そいつはどうも。3発以内。一発で終わせる。嬉しいこと言ってくれるな。でもね、
演奏1時間20分。ゲバルトはなかった。誰も席を立たなかった。バリケードとゲバ棒の中のジャズ。彼はジャズについて一言も語らなかったが、ジャズとは何か、何のためにと彼に問う学生はいなかった。ステージを展開するようになっていく。例えば、ピアノを燃やしながらの演奏。暑いです。暑くなりますよ。うわこっち鍵盤からも音が出なくなって。なります。Alors voilà, c'était un petit montage que j'ai fait à partir de 4 extraits de films avec Yosuke Yamashita. Je trouvais ça intéressant justement de voir à la fin un extrait de la première performance du fameux piano qui brûle, entre autres. La manière de Yamashita va pas être sans impressionner quelques visiteurs étrangers au début des années 70. Il y a par exemple un groupe qui s'appelle les German All Stars qui visite en février 71. Entre autres, parmi ce groupe-là, on retrouve le trompettiste Manfred Schauff qui va être particulièrement impressionné par la manière de Yamashita et son trio. À partir de 74, le pianiste va être invité régulièrement au festival de Mörs en Allemagne. Et les disques qu'il va réaliser alors à cette époque-là pour le label Enja, je vais vous montrer ici, alors ça s'appelle Clé, ça date de 74. Il en a fait aussi pour MPS. Ça va faire beaucoup ces disques-là pour sa réputation à l'international. Hein. Ça fait déjà que sa musique est disponible un peu à l'extérieur du Japon. Je me permets de remarquer aussi que, je vais parler un peu de toute la relation spéciale avec le festival de Mörs la semaine prochaine. Mais déjà, de toutes les scènes nationales de free jazz, c'est peut-être la scène allemande, avec son style très intense, très radical. On pense à Peter Brossmann, par exemple, ou encore à Alexander von Schlippenbach. Schlippenbach a aussi été, comme Yamashita, très influencé par Cecil Taylor, qui avait un style assez assez physique. Et c'est pas un hasard, par exemple, si la compagne de Yamashita, depuis les années 80, c'est la pianiste japonaise Aki Takase. Elle aussi, je vais vous en parler un peu la semaine prochaine. Depuis 72, le saxophoniste du trio, c'était Akira Sakata qui avait remplacé Seiichi Nakamura. Et ça va être surtout cette formation-là qui va faire un peu la renommée internationale de Yamashita. Il y a des critiques occidentaux qui vont se mettre à appeler ça « jazz kamikaze ». Donc, en 75, ça va être le batteur Shota Koyama qui va remplacer Moriyama. Et le trio va se dissoudre à la fin des années 70. Yamashita, lui, va continuer à diriger des groupes là, tout au long des années 80, à partir de cette époque-là, même un peu avant, dans ses disques solo, il va revenir un peu à des formes un peu plus conventionnelles de jazz. Dans ses disques solo, par exemple, il va commencer à intégrer des standards, tout ça. Dans les années 80, par exemple, il va fonder un trio aux États-Unis avec Cecil McBee et Fearon Acklaff, un trio auquel vont se greffer parfois des saxophonistes assez connus, là, comme Joe Lovano, Tim Byrne ou encore Ravi Coltrane. Mais ça devient un jazz plus post-bop là, à ce moment-là, c'est pas aussi, disons, débridé que ce qu'on vient d'entendre maintenant. Par contre, il va parfois revenir à un style plus
plus libre. Comme par exemple en 2007, il va faire un concert en duo avec celui qui a été vraiment une de ses inspirations au début de sa carrière, Cecil Taylor. Alors pour terminer un peu ce segment sur Yamashita, je vous propose d'écouter une dernière pièce, cette fois-ci pas en vidéo, mais une pièce vraiment du trio avec Sakata et Moriyama, enregistrée au festival de Heidelberg en Allemagne en 1975. C'est tiré du disque qui s'appelle Chiasma. Thank you.
Bon, alors on peut comprendre le public allemand d'être assez délirant. C'est une performance donc du trio de Yosuke Yamashita, une pièce qui s'appelle Chiasma, comme l'album dont elle est tirée. Benedrine me faisait remarquer, je pense que ma langue a fourché un peu, c'est évidemment Alex von Schlippenbach, donc le pianiste allemand qui est le compagnon de vie de Aki Takase et non pas Yamashita, juste pour préciser. Celui qui s'est positionné un peu à, presque à l'opposé de la conception de Yamashita, c'est évidemment Masahiko Togashi. Donc j'ai parlé de Togashi tout à l'heure. Après une période là, dans le groupe de Sadao Watanabe, c'est en 69 lui aussi, donc j'ai mentionné tantôt un peu l'importance de cette année-là pour l'apparition du free jazz japonais. Donc en 69, c'est là que Togashi va un peu émerger avec plusieurs projets dont la documentation vont vraiment marquer le début du free jazz japonais sur disque. C'est d'abord un quintet co-dirigé par le tromboniste Hiroshi Suzuki pour un album qui s'appelle Variation, paru sur la petite étiquette Tact. Ensuite, un peu plus tard, pour l'album qui s'appelle Speed and Space, celui-là paru sur Union, Togashi va réutiliser une partie du nom et certains des membres des ESSG, hein, je disais tout à l'heure, Sound and Space Group, ce groupe qui avait été fondé, là, comme j'ai dit tantôt, vers 65-66, rendu en 69, sur le disque Speed and Space, on retrouve Masahiko Sato, le saxophoniste Mototeru Takagi, qui avait rejoint le groupe là, vers 68-69 lui aussi, et le contrebassiste Yoshio Ikeda. Et à la fin de l'année, 69 toujours, Togashi va enregistrer en duo avec Takagi la musique d'un film qui s'appelle A.K.A. Serial Killer de Masao Adachi. Mais le disque majeur de Togashi de 1969, ça va être un disque qui s'appelle We Now Create. C'est un peu une extension du trio que Togashi dirige à cette époque, avec toujours Takagi et le contrebassiste Motoharu Yoshizawa. Et ils sont rejoints ici par Masayuki Takayanagi, donc à la guitare. Je vous propose donc d'écouter un extrait de ce disque, la première pièce, qui s'appelle Variations on a Theme of Feedback.
Thank you.
Alors, on voit déjà que c'est une énergie, une relation, disons, à l'espace qui est assez différente de celle de Yamashita. Donc, c'était Masahiko Togashi avec Variations on a Theme of Feedback, tiré donc de cet album qui s'appelle We Now Create, un album qui a quand même fait date, qui est un album assez important dans le free jazz japonais. Moins ambitieux peut-être que Yamashita, Togashi présente un programme un peu plus inclusif à l'époque du disque Speed and Space dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vous en lis un extrait. La beauté de ne pas savoir, de la surprise, l'harmonie de l'instabilité. Nous essayons, dans notre propre cadre, de réagir à tout cela. Le problème vient de ce que, une fois dans cette zone, ces choses deviennent comme du mobilier que nous utilisons tous les jours, des choses avec un usage bien défini. En d'autres mots, nous perdons la possibilité d'utiliser ces éléments librement et nous devenons limités par différentes règles et conditions. Dans notre manière de penser et d'agir, nous voulons notre liberté comme humains et nous voulons pour les auditeurs la liberté de réagir de plusieurs manières, dépendant de leur état émotionnel. Voilà le véritable but de cette méthode. En janvier 70, lors d'un incident domestique, j'ai pas réussi à savoir exactement ce qui s'est passé, mais je pense qu'il y a eu comme une chicane de couple assez intense et sa compagne a essayé de le poignarder. Alors, je pense que c'est ça qui s'est passé. Togashi donc va souffrir d'une blessure à la moelle épinière qui va le priver de l'usage de ses jambes. Pendant sa convalescence, il y a le réalisateur Masao Adachi qui avait demandé à Togashi de faire la trame sonore de son film AKA Serial Killer, qui va le visiter à l'hôpital et qui va lui donner les bandes finalement de cette trame sonore. Et Togashi va, donc un des premiers travaux qu'il va faire après, disons, sa convalescence, ça va être de monter ça pour que ça devienne un album. Ça va devenir, donc en 70, l'album qui s'appelle Isolation, qui est un duo avec Mototeru Takagi, là, qu'on vient d'entendre, le saxophoniste. Sorti de l'hôpital, Togashi va tranquillement réadapter son jeu à sa condition. Il va revenir dans les studios vers... l'année suivante, en 71, et à la scène en 73. Il va faire son retour officiel à la scène pour le festival qui s'appelle Inspiration and Power 14. Je vais vous parler un peu plus en détail de ce festival-là la semaine prochaine. On va entendre quelques extraits la prochaine fois. Voici ce qu'il dit un peu sur cette réadaptation. Il dit « Comme je suis paralysé à partir de la taille, il était nécessaire, si je voulais jouer des percussions, de créer des instruments complètement nouveaux, de repartir à zéro. C'était aussi difficile que si on essayait d'apprendre sur un piano qui joue toujours plus bas, même si on va de plus en plus vers la droite. Ça a été un combat long et difficile. J'ai installé un tom basse à ma droite et un hi-hat à ma gauche qui répond au mouvement de mon torse. C'est ainsi que je joue désormais. » Cette nouvelle manière de jouer va, qui est évidemment assez unique, qui va adapter un peu à son handicap, ça va ouvrir un peu des nouvelles dimensions aussi dans son jeu et sa conception de la musique. Il y a Don Cherry, le trompettiste, qui visite le Japon pour une première fois en 1974. Don Cherry va déclarer « Quand je viens au Japon, je veux toujours jouer avec Togashi. Parce que le jeu de Togashi ne ressemble en rien au jeu des batteurs de New York, Togashi joue Togashi. » Steve Lacy aussi, qui va venir souvent lui aussi à partir de 75, je pense. Il doit en penser à peu près autant parce qu'ils sont apparus sur une dizaine d'albums ensemble, certains qui sont d'ailleurs excellents.
Il y a un projet assez unique qui est organisé par Togashi en 75, un ensemble de 9 musiciens, dont Sadao Watanabe, Masahiko Sato, le violoncelliste Keiki Midorikawa, et en plus de lui-même, 3 autres percussionnistes, et aussi des joueurs de flûte, etc. Donc, il va en résulter un disque qui s'appelle Spiritual Nature. C'est une œuvre sensible et contemplative qui évoque un peu les paysages de la campagne japonaise. Peut-être que tout autre disque de free jazz japonais, c'est Spiritual Nature, c'est vraiment une espèce de réalisation de cette recherche-là dont je parlais tantôt, d'un jazz spécifiquement nippon. Je vous propose d'en écouter un extrait, donc c'est un extrait de la pièce titre Spiritual Nature.
Voilà, c'était donc un extrait de ce disque qui s'appelle Spiritual Nature de Masahiko Togashi. La même année, Togashi va réaliser un album en solo qui s'appelle Rings. Et en plus de ses collaborations avec plusieurs musiciens étrangers qui passent au Japon à partir du milieu des années 70, Togashi lui-même va se rendre à Paris en 79. Il va en résulter deux très bons disques sur l'étiquette Paddle Wheel. Le premier avec Don Cherry et Charlie Eden, donc les anciens compagnons de Ornette Coleman. Et le deuxième avec le tromboniste Albert Mangelsdorf, Jean-François Jenny Clark à la contrebasse et le pianiste japonais Takashi Kako. Kako qui était installé à Paris depuis 71. Donc, dans les années 80, Togashi va avoir des réunions avec deux de ses anciens compagnons, notamment avec Yamashita. Ils vont faire un disque ensemble qui s'appelle Kizashi, en duo, et ils vont donner des concerts la même année. Trois ans plus tard, en 83, ça va être le tour de Masayuki Takayanagi qui va être réuni avec Togashi pour l'album Pulsation. En plus de ses collaborations avec Lacey ou Don Cherry, Togashi va jouer avec les pianistes Rishi Bairac, Masabumi Kikuchi ou Paul Blay, avec les joueurs de Shakuhachi, Ozan Yamamoto ou Kansuke Kawase, avec le contrebassiste Peter Kovald et la chanteuse Lauren Newton, avec le contrebassiste Gary Peacock. Et en plus, il va diriger, à partir encore là de la fin des années 70, tout un paquet de groupes jusqu'à ce que sa santé décline dans les années 2000. Donc, notamment la Guild for Human Music, l'Improvisation Jazz Orchestra, Interaction ou encore un groupe qui s'appelle JJ Spirits, avec lequel il va revenir un peu au bebop. Alors, comme j'ai dit, sa condition physique s'est un peu dégradée au début des années 2000. Il va abandonner la performance musicale en 2002. Et ses dernières années vont être consacrées à la composition et à sa deuxième passion, qui est la peinture. Il avait lui-même, d'ailleurs, illustré plusieurs des pochettes de ses propres albums. Il est disparu, Togashi, en 2007. En 86, Togashi avait été approché par documentariste Shinsuke Ogawa. Ogawa avait été marqué par l'écoute de Spiritual Nature qu'on a entendu tout à l'heure. Lui voyait justement cette espèce de côté très pastoral, paysage japonais, etc., rizière et tout. Et il a demandé à Togashi, à la fin des années 80, donc, de fournir la musique de son prochain film, qui allait devenir un documentaire qui s'appelle « L'histoire du village de Majino ». Et ce que Togashi lui a proposé, il dit « Écoute, je vais faire un solo de batterie et puis tu pourras l'intégrer dans ton film. » Donc, je vous propose qu'on regarde cet extrait. C'est finalement le générique de fin du documentaire « L'histoire du village de Majino » de Shinsuke Ogawa. Thank you.
Voilà, c'était donc Masahiko Togashi dans un extrait de ce film, en fait le générique de fin, L'histoire du village de Majino. Je trouve que c'est un solo qui représente quand même assez bien son style très subtil, très mélodique. Bon, vous voyez là, je pensais que ça me prendrait 2 heures ce soir. Ben, ça fait déjà 2h13, puis il me reste encore pas mal de matériel. Qu'est-ce que vous voulez? Ajouter 1 heure pour la loc. Je continue. La troisième figure qu'on pourrait appeler fondatrice du free jazz japonais avec Yamashita et Togashi, c'est évidemment le guitariste Masayuki Takayanagi. Takayanagi, on l'a entendu tout à l'heure, au début un peu au début de sa carrière. Il était parfois surnommé Jojo Takayanagi. Il était déjà présent tantôt, on l'a entendu déjà, bon, comme j'ai mentionné à l'époque de Ginpari, aussi sur le disque de Togashi, We Now Create. Soejima, au début de son ouvrage, décrit la genèse d'un autre disque important qui, lui aussi, va apparaître en 69. On continue toujours avec cette année 69, très important. Un disque qui s'appelle Independence Tread on Sure Ground. Voici donc la façon dont Soejima décrit cette répétition en 69. À cette époque, Pit Inn était situé dans une ruelle qui reliait Shinjuku à Yasukuni, derrière la librairie Kinokuniya. Le club de jazz était au premier étage, et entre celui-ci et la boutique de tempura voisine était un large escalier qui menait à une arrière-salle au deuxième étage, où les musiciens laissaient leurs instruments. Les jours où les groupes les plus populaires étaient programmés, les clients faisaient la file assez tôt sur le trottoir, en attendant l'ouverture des portes. Ce jour-là en particulier, le quintet de Terumasa Ino était au programme. C'était peu de temps après que leurs albums Akushu no Shujeki et Hinology aient été de gros succès. Avec ses lunettes fumées à la mode, Ino jouerait, arqué vers l'arrière, comme pour atteindre les notes les plus hautes, pour plaire à son public qui n'était probablement même pas composé de véritables amateurs de jazz. Naturellement, même 1h30 avant les débuts du concert, il y avait déjà quelques douzaines de personnes faisant la queue à l'extérieur. Une pluie d'été typique commença à tomber, menaçant de tremper tout ce beau monde. Les employés du Pit Inn les dirigèrent rapidement vers le deuxième étage pour les soutirer à la pluie, pensant les faire attendre là jusqu'à l'ouverture. Entendant un son puissant et hurlant venant de la pièce du fond, tout le monde s'est déplacé pour voir ce qui s'y passait. Pour presque tous, ce fut leur première exposition à la performance intense, tourbillonnante, qui était Mass Projection, c'est une composition de Takayanagi. Ils pouvaient sentir tout leur corps pénétré par ce jazz enflammé, sans mélodie ni pulsation claire. Le son affluait comme un tsunami, hurlant comme une tempête. Et peu à peu, il emplit leur cœur d'une substance indéfinissable. Au début, le volume sonore semblait à la limite de l'endurable, mais cette sensation laissa bientôt la place à une de plaisir. Au centre de la pièce, où ne pénétrait pas la moindre brise, se tenait Takayanagi, comme un gardien de temple, jouant de sa guitare. Les lunettes de Yoshizawa s'embrumaient à cause de la chaleur. Le t-shirt de Toyozumi, plein de sueur, collait à son corps. Chacune des parts de chacun des corps dans ce public accidentel éruptait de sueur, mais plus encore que la chaleur de la pièce même, ça semblait être la chaleur du son qui causait toute cette sueur. Soudain, quelqu'un de l'extérieur lança pendant une courte pause dans la performance. « Le club est maintenant ouvert et la pluie s'est arrêtée. Vous pouvez vous installer en bas à votre convenance. » Presque personne n'est parti, je m'en souviens, comme si c'était hier.
Voilà, Masayuki Takayanagi et son groupe New Direction avec cette pièce qui s'appelait, que Takayanagi appelait Mass Projection. Donc, c'est exactement la pièce dont je viens de faire un peu la description dans la citation avant. Seulement, ça n'est pas apparu sur l'album comme tel. Independence We Now Create, Independence Tread on Sure Ground, pardon. Ça a été enregistré juste un petit peu plus tard par le même trio en février, je pense, 70. La puissance de Takayanagi, sa passion pour le volume pur, est là dès le début de ce groupe-là, New Direction, parfois New Direction for the Arts. Pardon. New Direction, c'est d'abord le trio qu'on vient d'entendre avec donc Motoharu Yoshizawa à la contrebasse et le batteur Sabu Toyozumi. Avant même l'apparition de ce disque-là, c'était des habitués du café Nagisa, près de la station de métro Shinjuku. Le trio il va y côtoyer là, un peu les junkies et autres hippies qui hantent un peu le quartier, sans trop se formaliser de leur présence. Après tout, hein, les free jazzmen sont eux aussi un peu des outsiders. Soejima parle à propos de des performances de cette époque. Takayanagi prenait parfois une chaîne et, en la faisant teinter, la faisait passer sur ses cordes. D'autres fois, il frappait directement sur les cordes avec un bâton un peu plus épais qu'un crayon, créant des sons incroyables. Personnellement, j'ai senti un aspect très, très japonais dans ces sons. Alors je lui ai dit « Ce serait génial si tu utilisais une branche de cerisier comme bâton. » Il me répondit « Le cerisier, c'est trop mou pour donner une bonne sonorité. Le chêne, c'est mieux. Ça, c'est un morceau d'épée de pratique kendo. » Et Soejima continue, je n'ai aucune idée si c'était vraiment un morceau d'épée, mais à l'intérieur de ce son, il y avait quelque chose de très japonais. Alors encore là, on revient à cette espèce de recherche de quelque chose de spécifiquement japonais qui passe par le médium du free jazz, de l'improvisation. Pour saisir un peu l'approche de Takayanagi, je vais vous citer quelque chose que Soejima rapporte. Alors voici, Takayanagi dit « Pendant 18 ans, j'ai joué du swing, du bop, du jazz modal, toutes sortes de jazz. Je n'ai jamais vraiment pu supporter le jazz quand il était harmonieux. Avec le feedback ou le gazou, on l'a entendu jouer un petit peu tantôt, je pense que c'est seulement une expérimentation dans un long processus. Je ne veux pas accepter le jazz comme ayant une seule conception préétablie. Alors ça ne me dérange pas trop si on qualifie ça d'anormal. Si c'est comme ça que notre musique se présente à cet instant précis, c'est parfait. » Quelques mois après la répétition que Soejima a décrite, que je vous ai lue tout à l'heure, le même deuxième étage du Pétin va devenir une salle de concert, une petite salle dédiée au free jazz, baptisée New Jazz Hall. C'est Soejima lui-même, avec quelques autres, qui va en assurer la direction. Les groupes qui vont jouer là au début, bien évidemment, ça va être les groupes qui sont au centre du jazz créatif de cette époque, autant ESSG de Togashi, que Takayanagi et son New Direction, le trio de Motoharu Yoshizawa ou encore celui de Itaru Oki, le trompettiste. Il y a un incident qui est décrit dans le livre qui va bientôt éloigner Takayanagi du New Jazz Hall. C'est un incident aussi qui montre un peu toutes les espèces de chicanes de chapelles un peu internes qu'il pouvait y avoir à cette époque-là et aussi de quelle façon, disons, toutes les idées radicales sont venues un peu s'imbriquer dans cette scène-là. Alors, c'est en mars 70. Takayanagi invite le critique Akira, ou Akirax, il écrivait parfois son nom A-Q-U-I-R-A-X, donc Akira Aida, a prononcé un discours, à faire une espèce de performance avant le concert du New Direction.
Donc, à cet endroit-là, à New Jazz Hall, rapidement, Soejima et les autres qui s'occupent de la salle se rendent compte que Aida est en train de livrer une attaque en règle contre le Pit Inn. Il appelle à ce qu'on les attaque. Il dit ce club-là, c'est l'ennemi du free jazz, etc. Alors que c'était essentiellement c'était Pit Inn qui avait prêté la salle pour créer New Jazz Hall, donc pour permettre à des musiciens de free de jouer là. Alors, évidemment, ça va créer, disons, un froid entre Soejima et Aida. Et d'une certaine façon, vu que c'était Takayanagi qui l'avait invité, ça va aussi l'éloigner. Soejima dit par contre, bon, on s'est réconcilié quelques années plus tard, c'est pas dramatique. Mais ça montre bien là les espèces de chicanes un peu de chapelle qu'il y avait dans cette époque-là et disons les conflits internes qui pouvaient parfois éclater. C'est comme n'importe quoi, particulièrement quand on gère des gens très intenses, autant dans leur musique, dans leur art que dans leur leurs opinions. Ça donne parfois des choses comme ça. Au début des années 70, le nouveau groupe de Takayanagi va compter un deuxième guitariste, un deuxième batteur. Plus tard, il va aussi intégrer un saxophoniste au groupe, d'abord Kenji Mori. Takayanagi participe en 73 au fameux festival Inspiration and Power 14. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais en parler un peu plus longuement la semaine prochaine. Ce festival-là, en fait, ce qui va être important pour Takayanagi lui-même, c'est que le festival Inspiration and Power va donner naissance à un album double, donc une compilation de performances tirées de ce festival-là, de 73. Et suite à la publication de ce disque-là, de cet album double, les gens vont commencer à l'entendre un peu partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis. Et un de ceux qui va être assez impressionné par ce qu'il entend, c'est Bernard Stallman. Stallman, on sait, c'était le fondateur du label ESP Disc à New York. Lui qui avait publié tous ces disques de free jazz très importants des années 60. Et à cette époque-là, il va démontrer un intérêt. Il dit ben, « J'aimerais bien publier sur ESP des musiciens japonais. » Et le premier groupe qui est choisi pour ça, ça va être le groupe de Takayanagi. Il y a une session qui est organisée, qui est réalisée en 75 avec le saxophoniste là, Kenji Mori, avec le contrebassiste Nobuyoshi Ino et le batteur Hiroshi Yamazaki qui vont continuer à jouer avec Takayanagi dans les années 80. Il y a un titre qui est choisi, tiré d'un poème de T.S. Eliot, « April is the cruelest month ». Je pense que Takayanagi avait même écrit des notes de pochette, tout ça. Et malheureusement, à cette époque-là, ESP Disc va cesser ses activités. Et le disque, finalement, ne sera jamais publié à cette époque-là. La session va paraître seulement beaucoup plus tard en CD. Peu de temps, je pense, avant la mort de Takayanagi, donc vers 1990. Je vous propose d'en écouter un extrait de ce disque, April is the Cruelest Month. Masayuki Takayanagi, encore une fois, avec la nouvelle version de New Direction. Thank you.
Alors, un extrait de ce disque April is the Cruelest Month par Masayuki Takayanagi avec New Direction, une pièce qui s'appelle What Have We Given. On peut imaginer quelles auraient été les réactions si ça avait été publié à New York en 1975, ce disque-là. Bon, excusez-moi, je pense que j'ai eu de la misère avec mon micro. Il est de retour. Bon. Alors, à la fin des années 70, est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Donc, c'était donc Masayuki Takayanagi avec, une pièce qui s'appelle What Have We Given, tirée de ce disque April is the Cruelest Month, qui devait paraître sur ESP Disc en 75 et qui finalement n'est paru que dans les années 90. À la fin des années 70, Takayanagi va prendre un nouveau tournant avec un groupe qui s'appelle Second Concept et un album qui s'appelle Cool Jojo, qui est une évocation d'une certaine façon de la musique de Lenny Tristano et Lee Konitz, entre autres. C'est aussi à cette époque-là qu'il va commencer à souffrir d'une inflammation bronchiale chronique et d'une hépatite, des maladies évidemment qui vont le suivre jusque pour le reste de ses jours. En 1980, avec peut-être une des dernières incarnations de New Direction, il apparaît au Festival de Moers. Ça va être son seul concert qu'on connaît à l'extérieur du Japon. Dans la première moitié des années 80, c'est avec un trio qui s'appelle Angry Waves, donc les deux mêmes qu'on vient d'entendre sur April is the Cruelest Month, Nobuyoshi Ino à la contrebasse et Hiroshi Yamazaki à la batterie. Ils vont continuer à repousser hein, les frontières de ce qu'on pourrait qualifier de guitare jazz. En 82, par exemple, ils s'attaquent à la musique de Ornette Coleman avec un disque qui s'appelle Lonely Woman. Mais assez vite, il va vouloir travailler plutôt seul. Vers 1984, il déclare « Je ne trouve personne d'autre qui peut me suivre. Autant continuer tout seul. » Alors, ça va être le point de départ un peu de la méthode qui va baptiser Action Directe. D'abord, les premières performances de Action Directe avec des Walkman. On sait que Walkman au Japon, c'était assez populaire, évidemment. Alors, des Walkman, un mixeur, des effets, deux guitares et seul en scène. Il va manipuler le son en direct, utiliser des bandes assez fortement modulées, au point qu'on ne reconnaît plus trop qu'est-ce qui est le son d'origine. Il va altérer le son de ses guitares avec des objets divers. Plus tard, il va commencer à utiliser des petits moteurs pour frotter les cordes des guitares. Si ce genre de performance rapprocherait Takayanagi des pionniers de ce qu'on a appelé la musique noise, lui-même, il rejette le terme. Il dit « Je ne suis pas un artiste noise, je fais de la musique bruyante, donc noisy. » Je pense que ça doit avoir une qualité musicale. Je n'aime pas ceux qui utilisent plein de sons. Tout ça mène juste à une sonorité vaseuse, gaspillée. Dans la dernière année de sa vie, donc vers 90, les performances de ce concept-là, Action Directe, vont se complexifier avec 4-5 lecteurs cassettes, des plaques de métal auxquelles il va brancher des micro-contacts. Et malgré son relatif dédain des instruments électroniques, il jouait pratiquement plus directement de guitare à ce point-là. Il va finalement succomber à l'hépatite qu'il minait depuis des années. En 91. Je vous propose maintenant de regarder un extrait d'une performance de Action Directe pour vous donner une idée un peu des dernières années de ce que faisait Takayanagi. Donc, une performance enregistrée en 90. Thank you.
Alors voilà, c'était un extrait d'une performance, en fait, deux courts extraits d'une performance de Takayanagi avec Action Directe. C'est sûr que là, on est rendu dans vraiment loin de quoi que ce soit qu'on pourrait appeler jazz, mais j'ai trouvé que c'était quand même intéressant de présenter ça en vue de ce qu'on a entendu vraiment au début de la diffusion, hein, Takayanagi qui jouait dans un style relativement encore très standard, tout ça, et de voir toute l'évolution qui va le mener jusqu'à finalement Action Directe, donc ce genre de musique presque noise, mais dont lui-même n'aurait pas aimé la définition, comme ça. Alors, on revient à cette année 1969, dont je disais l'autre jour, tout à l'heure, qui était très importante dans le free jazz japonais. Un autre album qui vont remporter cette année-là, les suffrages de la critique, un peu ex aequo avec We Now Create de Togashi, qu'on a entendu tout à l'heure, c'est Palladium, par le trio du pianiste Masahiko Sato. Sato avait étudié au prestigieux Berklee College aux États-Unis entre 1966 et 1968. De retour au Japon, il va fonder un trio avec Masahiko Togashi et le contrebassiste Yasuo Arakawa. Après le succès quand même assez retentissant de Palladium, le trio va récidiver avec un disque en concert encore plus audacieux, à mon avis, qui s'appelle Déformation, un disque qui va être introduire dans la dynamique du groupe l'utilisation de bandes, par exemple. À la même époque, Sato écrit assez régulièrement pour un des big bands modernes, probablement le plus réputé du Japon depuis la fin des années 50, le New Herd ou New Herd Orchestra, dirigé par le saxophoniste Toshiyuki Miyama. Comme son nom l'indique, le premier modèle du New Herd, ça avait été évidemment l'orchestre de Woody Herman, qu'on surnommait aussi The Herd. Mais au tournant des années 70, Miyama décide de faire appel à quelques jeunes compositeurs et arrangeurs, dont Sato, pour une série de disques assez audacieux, notamment Four Jazz Compositions, un disque appelé Canto of Libra avec Sato, et un autre appelé Canto of Arias avec Togashi, cette fois-ci. En plus de ses activités avec le New Herd et en solo aussi, parce qu'il fait beaucoup d'apparitions en solo, Sato va fonder un nouveau trio à l'automne 1970, un trio avec Keiki Midorikawa. Midorikawa, à cette époque-là, jouait encore beaucoup de contrebasse, mais il va tranquillement jouer de plus en plus de violoncelle aussi. Et le batteur Ozumi Tanaka, un trio qui va être baptisé Garando. À la fin de l'année, donc toujours en 70, au sein de ce trio-là, Sato va commencer à expérimenter avec un synthétiseur. Il aurait été un des deux artistes japonais sélectionnés par la compagnie Moog. Pourquoi? Pour tester finalement cet instrument qui était relativement nouveau au Japon à cette époque-là. L'autre artiste japonais qui va être sélectionné à part Sato, c'est Isao Tomita. On connaît hein, les disques de Tomita où il reprend là, des pièces classiques au synthétiseur. Ça a été assez populaire dans les années 70-80. Trois ans plus tard, donc en 73, lors d'un passage de Anthony Braxton au Japon, ça va être le trio Garando, en version acoustique cependant, qui va l'accompagner, le temps d'un disque, Four Compositions 1973, ce disque, qui est paru donc seulement au Japon, un disque de Anthony Braxton, paru sur la Columbia japonaise à cette époque-là. Dans un tout autre style, Sato va aussi réaliser la même année la musique pour un film d'animation érotique et un peu psychédélique de Eiichi Yamamoto, un film qui s'appelle Kanashimi no Belladonna, qu'on pourrait traduire par La Belladonna de la tristesse ou encore Belladonna la sorcière. Pour résumer, pour présenter un peu le style de Sato, je vous propose d'écouter un extrait de cette
album, donc le deuxième album de son trio qui s'appelle Déformation. C'est donc ce trio avec Togashi et Arakawa. Donc, une pièce qui utilise là, des bandes donc assez intéressantes de 1969.
Voilà, donc un extrait donc de cet album qui s'appelle Déformation par le trio de Masahiko Togashi. Pour une pièce parue quand même en 69, je trouve que ça fait usage de techniques qui aujourd'hui encore paraîtraient extrêmement modernes. Peut-être que parmi tous les musiciens associés au free jazz japonais, Sato est peut-être celui qui va le plus insister sur conserver un certain formalisme dans l'improvisation. Voici un extrait que je vais vous lire, que je trouve qui définit assez bien ses conceptions. Il dit: J'ai vraiment voulu aller dans des lieux où on ne trouvait aucune ligne directrice, mais si vous dites jouons librement et vous examinez bien ce qui se passe, eh bien, il y a une tonalité, il y a un tempo, alors ce n'est pas libre du tout. Si vous commencez à penser ainsi, vous allez rapidement vous sentir limité de tous les côtés. Si je fais ça, alors ça va devenir ça, ou alors je ne devrais pas faire ceci ou cela. Mais récemment, j'ai réalisé que même si le jeu Free tombait dans ces pièges, ça pouvait être OK. Ou plutôt, je devrais dire, si c'est bien ancré, ça représente qui je suis aujourd'hui. Rejeter le passé en bloc reviendrait à me rejeter en entier. Alors, si je dois accepter qui je suis aujourd'hui, je dois savoir que ça vient avec cette phrase en particulier, mais que ça ne veut pas dire que je dois rester sur cette phrase indéfiniment. Le son qui devrait suivre ne surgira qu'au moment voulu, dans diverses situations, et je dois y répondre de la manière la plus alerte possible. Alors, en 74-75, le trio Garando va laisser la place à un nouveau trio baptisé CPU, ou Cosmic Pulsation Unity, avec toujours Togashi et Keiki Midorikawa. À la même époque, Sato va organiser chaque mois un Composer's Orchestra. C'est un orchestre qui va expérimenter principalement avec des partitions graphiques. Par différents compositeurs, notamment Hitaru Oki, Sabu Toyozumi et Yoshiaki Fujikawa. Le disque dont on a entendu un extrait tout à l'heure de Masahiko Togashi, Spiritual Nature, c'était finalement une incarnation de ce Composer's Orchestra, donc des années 74-75. Au début de 1976, Sato va enregistrer le matériel de trois albums solo qui ont fait quand même date à l'époque. Un de ceux-là, qui s'appelle Multisphéroïde, était tiré de sa performance à la deuxième édition du festival Inspiration and Power. J'ai mentionné la première édition de 1973, mais il y en a eu une deuxième en janvier 1976. Pour cette performance-là, Sato avait organiser une espèce de trafiquer en fait des enregistreurs, je pense que c'était des enregistreurs à bande, là on les voit ici, et ils les avaient programmés de façon à ce qu'ils puissent les actionner et réentendre, disons, ce qu'ils venaient de jouer dans la même performance, donc disons de 5 ou 50 secondes. Avant. On voit ici un peu on voit ici un peu le graphique de tout ce qu'il a arrangé à cette époque-là. C'est sûr que, bon, aujourd'hui, on regarde ça, on se dit, bon, ben, on pourrait acheter juste une pédale et ça ferait la job. Mais à l'époque, disons qu'il fallait faire tout ça à main, et c'était quand même assez révolutionnaire là, comme idée de, disons, pouvoir rejouer avec sa propre performance quelques secondes plus tard. C'était, bon, quelque chose qui commençait, disons, à cette époque-là. Il va avoir, Sato, des activités musicales très diverses à partir de la fin des années 70 jusqu'à nos jours. Il a eu des projets plus fusion, comme par exemple Medical Sugar Bank. Il a joué dans des groupes de jazz un peu plus conventionnels, notamment avec les contrebassistes Eddie Gomez ou encore Gary Peacock. Il va être un collaborateur assez fidèle de Masahiko Togashi, autant au sein de la Guild for Human Music qu'au sein de l'Improvisation Jazz Orchestra ou dans les JJ Spirits, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, ce groupe plus, disons, bebop. Et il va continuer quand même à pratiquer l'improvisation libre. Dans les années, je pense, fin 80, début 90, il va jouer avec un groupe qui s'appelle Ton Clamy, un groupe avec le saxophoniste coréen Kang Tae-won et le batteur Midori Takada.
Il va aussi collaborer avec le batteur lituanien Vladimir Tarasov, avec la contrebassiste française Joëlle Léandre, avec le saxophoniste américain Ned Rothenberg ou encore avec Peter Brotzmann, donc le saxophoniste allemand. Pour terminer donc ce segment sur Masahiko Sato, je vous propose d'écouter un extrait de ce disque solo dont je vous ai décrit un peu le processus tout à l'heure, Multisphéroïde, paru en 76. Thank you.
Alors voilà, c'était Masahiko Togashi avec un extrait de ce disque solo multisphéroïde. Solo avec, avec lui-même. En retard, disons. En sampling. Early sampling. Bon, il me reste un portrait de musicien à faire. On va se dire à la semaine prochaine. Les quatre musiciens dont j'ai parlé ce soir sont évidemment quand même d'assez fortes personnalités. Malgré tout, je pense qu'il faut quand même placer à part le cas de Kaoru Abe dans l'histoire du free jazz japonais. Comme dit Soejima, depuis son premier concert à l'âge de 19 ans en 1968 jusqu'à ce qu'il quitte ce monde en 1978, il aura poursuivi l'essence du free jazz en une ligne droite brûlante, devenant en même temps le musicien le plus représentatif du Japon dans les années 70. Abe est un personnage assez fier, aux opinions assez tranchées, à la personnalité occasionnellement difficile. Bon, il a été, on sait qu'il a été addict au sédatif dans les dernières années de sa vie. Ça n'a évidemment pas amélioré son caractère, disons. C'est un personnage assez complexe, en fait. Peut-être qu'on l'a beaucoup romancé depuis qu'il est disparu. Quand on meurt à 29 ans, évidemment, on devient rapidement une espèce de personnage comme ça. C'était un intellectuel. Il était nourri, par exemple, des lectures de Michel Foucault, Georges Bataille, Antonin Artaud ou encore Louis-Ferdinand Céline. On sait qu'il y a un de ses albums solo qui s'appelle, par exemple, « Mort à crédit », donc l'influence de l'œuvre de Céline. Mais il pouvait aussi se montrer très sensible à l'occasion, plein d'attention. C'était un personnage, comme je dis, assez complexe. D'ailleurs, j'ai relu aujourd'hui un texte de l'ami Julien Palomo, qui a écrit quelque chose de je trouve, très, très, très juste sur Abe, que je vous intéresse. Je vous invite à lire si vous êtes intéressé. Je vous enverrai le lien tout à l'heure. Alors, Sojima mentionne 68, mais c'est surtout à partir de 70 qu'il va vraiment un peu exploser là, sur la scène du free jazz japonais. Lui-même disait « Même s'il y avait une telle chose que le jazz japonais, je ne veux rien avoir à faire avec. » Ça y arrivait d'adopter une attitude très compétitive. Il pouvait souvent faire tourner ses performances, qui étaient toujours intenses, à la confrontation, autant avec le public qu'avec les autres musiciens. Toshinori Kondo avait dit de lui, par exemple, « Je pense vraiment que dans ses performances, Abe essayait de trouver un espace assez grand pour y faire entrer son ego. » Donc, on voit que certains le percevaient comme assez arrogant. C'est vrai que ça a été un peu le loup solitaire de la scène. Il se produisait très, très souvent en solo. Même la plupart de ses disques, il en est paru beaucoup là, après sa mort, notamment dans les années 90. Et beaucoup, beaucoup de disques solo donc, de Abe. Parmi ceux qui ont tenté, disons, d'une certaine façon, de lui tenir tête, c'est peut-être Takayanagi, qui est celui qui, avec son intensité, a pu un peu l'égaler, en fait, avec le même genre d'énergie. Leur concert qui a été baptisé Kaitai Teki Kokan, ou qu'on pourrait traduire par empathie déconstructrice. Donc en juin 70, ça va être une date marquante dans la musique japonaise. Mais beaucoup d'autres musiciens avec qui il a joué sont sortis de ces confrontations-là un peu frustrées. Un autre saxophoniste, par exemple, Mototeru Takagi, qui n'est pas quand même une fraîche bergère, là. On s'entend qu'il avait joué avec pas mal de monde. Takagi il a déclaré après un échange particulièrement ardu, mais c'est pas de la musique, ça. Et puis Abe, lui, s'est contenté de sourire de façon un peu narquoise et dire « Mais Takagi, il m'a laissé plein de place ce soir, je vois pas. »
quand Milford Graves, par exemple, le batteur américain, vient au Japon en 77, évidemment, Graves était reconnu pour avoir un style très, très vigoureux. Et c'est un peu naturellement qu'on va jumeler Abe avec lui. Mais Abe va un peu par défi, un peu pour dire, bon, ben c'est pas des étrangers qui vont nous montrer tout ça, etc. Il a adopté une attitude vraiment de confrontation assez totale. Il jouait en face de Graves et puis c'était un peu plus l'attitude d'un duel que d'une discussion, d'une conversation musicale. Et puis Graves, ça l'a complètement exaspéré. Le lendemain, il a fallu qu'il demande d'exclure Abe du reste de sa tournée japonaise parce qu'il voyait que ça fonctionnait pas du tout. Abe, lui, son seul commentaire sur l'incident, ça a été il est parti en premier. Il a arrêté de jouer en premier, alors il a perdu. Pour lui, c'était comme un jeu. C'est une attitude qui peut paraître un peu juvénile. Ça faisait, entre autres, partie de la recherche incessante d'Abe pour un son brut. Soejima le décrit comme un insomniaque. C'est pas pour rien, par exemple, qu'il a été addict au somnifère. Il raconte, il dit, habituellement, le téléphone sonnait vers 2h du matin, c'était Abe. Il voulait parler de choses très bizarres, comme s'il était possible de tuer un homme seulement avec un son. Alors, il captait mon attention, et avant que j'aie pu m'en rendre compte, eh bien, il faisait clair dehors. Dans un sondage du Swing Journal, on demandait à divers musiciens ce qu'ils voulaient dire avec leur musique, ce à quoi ils pensaient, et Abe avait répondu « Je pense à comment trouver un son qui arrête tout jugement, un son qui ne disparaîtrait jamais, un son qui serait tissé à travers toutes sortes d'images, un son qui proviendrait à la fois de la mort et de la naissance. » Un son qui meurt, un son avec une présence, un son qui serait interdit pour toujours, un son qui ne pourrait être possédé par personne, le son de devenir fou, un son rempli de cosmos, le son du son. Sa recherche pour vers ce son, disons, qui engloberait tout ça. On va passer par l'utilisation de toutes sortes d'instruments. Évidemment, les saxophones, le principal, c'était l'alto, mais il a aussi pratiqué le soprano et le sopranino. Sinon, la clarinette basse, la guitare, l'harmonica, la batterie, le shakuhachi, le piano, même le marimba, je pense. Et malgré sa position relativement solitaire, j'ai dit qu'il a joué assez souvent en solo, il a parfois essayé de trouver des interlocuteurs qui seraient sympathiques, là, qui réussiraient à, disons, aller dans la même intensité que lui. Il en a trouvé quelques-uns. Il avait beaucoup amusé, par exemple, son aîné Keizo Inoue, qui était saxophoniste, clarinettiste lui aussi. Il a joué souvent avec Motoharu Yoshizawa, le contrebassiste, avec Takehisa Kosugi, surtout violoniste, mais qu'on a rencontré tout à l'heure dans le groupe Ongaku. Avec le trompettiste Kiro Shoda, le saxophoniste Kazutoki Umezu, dont je vais parler un peu plus la semaine dernière, de même qu'avec le guitariste Keiji Aino. Dans la dernière année de sa vie, ça va être souvent à Sabu Toyozumi qui va faire appel. Le batteur Toyozumi, ils vont souvent jouer en duo sous le nom de Overhang Party. D'ailleurs, il est paru un disque posthume, donc après sa mort, un album double du duo qui s'appelle Overhang Party Memorial to Kaoru Abe sur l'étiquette ALM. Abe est mort des suites d'une overdose de somnifères le 9 septembre 78. Il avait à peine 29 ans. Le réalisateur Koji Wakamatsu, qui avait fait appel à son saxophone et à son harmonica pour la trame sonore du démon de la violence, on l'aperçoit brièvement dans le film, c'est lui qu'on voit ici dans une image tirée de ce tournage.
Wakamatsu va réaliser plus tard un film qui s'appelle Endless Waltz en 1995. C'est un film qui est basé sur un roman de Mayumi Inaba, un roman qui est inspiré de la vie de Abe et de sa relation souvent houleuse avec sa compagne, l'écrivaine et actrice Izumi Suzuki. C'est un film assez curieux, mais qui vaut quand même la peine de voir. Donc, c'est avec Abe qu'on va conclure cette première diffusion. Je pensais jamais que ça durerait 3 heures et quelques. On va voir la semaine prochaine. Donc, je vous invite à me retrouver la semaine prochaine pour la suite de ce parcours à travers le free jazz japonais. Je vais vous parler d'autres figures importantes de cette scène-là, notamment certaines que j'ai déjà mentionnées, Hitaru Oki, Sabu Toyozumi, Akira Sakata, Toshinori Kondo et plusieurs autres. Et j'ai encore plein de pièces et d'extraits vidéo à vous montrer. Alors, manquez pas ce rendez-vous. Donc, dimanche prochain, encore une fois, ici sur Twitch, à 19h30. Et je vais vous laisser sur donc une performance filmée de Kaoru Abe en 77, un solo de sax. Enregistré un an avant sa mort. Au revoir!
Thank you.